Le premier qui bouge, je descends. Merde, qu'est-ce que je fais? Les secours. 17, 17. Allez. Oui, bonjour, je suis au Utopia Center, là. Il y a des types qui sont entrés avec des flingues et ils sont mis à menacer tout le monde. Je crois que c'est une prise d'otage. D'accord, monsieur. Vous êtes en sécurité? C'est difficile à dire. J'ai réussi à me cacher dans une espèce de cagibi, là. Je crois pas qu'il m'ait vu. D'accord. Surtout, ne bougez pas. Je vous fais venir une équipe au plus vite. Et surtout, ne sortez pas de votre cachette. Ok. Comment vous appelez-vous? Monsieur? Oui, pardon, c'est que... Oui, je comprends. Prenez votre temps. Je m'appelle Michael, et vous? Moi, c'est Tony. Et vous faites quoi dans la vie, Tony? Mon métier, c'est réceptionniste d'hôtel. Je suis ça la nuit. C'est pour ça que je suis venu à cette heure-là, si j'avais pensé. Mais mon métier, c'est pas très important. En vrai, je suis chanteur de métal. De métal? Oui, de métal. Mais excusez-moi, mais c'est que vous êtes sataniste? Non. Non, tous ceux qui font du métal sont pas satanistes. Oui, non, pardon, enfin... J'ai entendu dire qu'il tue des oiseaux sur scène ou je sais pas quoi. C'est vrai qu'il y a des groupes qui sont bizarres, mais c'est marginal. Non, ce que vous dites là, c'est Ozzy Osbourne quand il était défoncé. Depuis, le cliché nous colle à la peau. Mais ça n'est pas parce qu'on fait du métal qu'on est psychopathe, d'accord? Ah, mais vous faites quoi alors? De la musique. Vous dites rien? Ah, c'est que, pour ce que j'en ai entendu, je connais pas grand chose, hein, mais... Et pour moi, ça ressemble plus à du bruit qu'à de la musique. Oula! Attendez, pour vous, c'est quoi le métal pour vous? Bah, je sais pas, moi. Ok. Vous connaissez quoi comme groupe? Metallica, ça compte? Oui, tout à fait, absolument. C'est un bon début, et à part ça? Ok, va falloir qu'on reprenne tout depuis le début. Le genre metal naît à Birmingham, en Grande-Bretagne, avec Black Sabbath, dont l'album éponyme sort en 1970. Mais c'est leur album Paranoid qui va poser les bases du genre, avec des tonalités principalement mineures, un son ultra saturé, une batterie puissante et un chant haut perché. On parle alors de heavy metal, mouvement qui compte également Motorhead ou encore Judas Priest et leur look de sadomaso. L'idée est de sortir de l'esthétique du blues à laquelle sont encore rattachés même les groupes aux sons les plus agressifs de l'époque, comme Led Zeppelin. Une partie de ce qui fera le son du métal se trouve dans les riffs de guitare, technique, riche en syncope, mais lourd et angoissant. C'est Tony Iommi qui inaugurera ce nouveau style suite à un accident à l'usine où il travaillait. Le dernier jour de son contrat, alors qu'il devait se lancer dans sa carrière, il perd la dernière phalange de son majeur et son annulaire droit. Pour un gaucher, c'est un drame. Par la suite, alors qu'il pensait ne plus jamais jouer, c'est la technique de Django Reinhardt qui lui redonne l'inspiration de réapprendre son jeu. Aujourd'hui, il porte des prothèses et est connu comme l'inventeur pionnier des riffs du heavy metal. Dans les années 80, se développe toujours en Grande-Bretagne la NWOBHM, la New Wave of British Heavy Metal, qui poursuit un heavy metal poussé dans ses retranchements, avec un son tout en contraste, alternant mélodies brillantes, souvent à deux guitares, et riffs de plus en plus lourds. Inspiré par AC/DC ou encore Van Halen, cette nouvelle vague compte des groupes comme Iron Maiden, Def Leppard, Saxon ou encore Manowar. Avec le thrash metal des années 80, les États-Unis sont à l'honneur, notamment la Californie, avec les Big Four of Thrash, Metallica, Slayer, Anthrax et Megadeth. Le punk a fait son chemin et teinte ce métal d'un esprit rebelle, rendu par des tempi très soutenus, une recherche de technicité grandissante et une culture parfois plus juvénile, colorée de comics et de romans de science-fiction. La fin des années 80 marque l'avènement du death metal. Ici, le changement est drastique. La batterie à double pédale se généralise et le blast beat apparaît. Guitare et basse sont accordées plus graves, on parle de down-tuning ou drop-tuning. Et surtout, le chant passe au growl. Les thématiques touchent alors à la mort, à la violence, à la monstruosité, aux abominations. Comme chez Death, Cannibal Corpse, Cattle Decapitation ou Decide. Ces derniers sont les précurseurs du black metal. Surtout développé dans les pays scandinaves, en parallèle du Death aux États-Unis, le black metal explore des thématiques iconoclastes et blasphématoires, ayant notamment trait au satanisme, sans nécessairement en être pratiquant.
Le son est angoissant, anxiogène et évoque des ambiances morbides. Parmi le genre, inspiré par les Britanniques de Venom, on trouve Immortal, Type O Negative, Mayhem, Dark Throne ou encore Emperor. Les années 90 voient émerger des styles absolument extrêmes, comme le grindcore. En réaction à la montée du grunge, on est là face à un style sans concession, à la violence esthétique toujours plus acide, à des vitesses astronomiques. C'est notamment le style de Napalm Death. Par la suite, le métal se fera progressivement expérimental, avec des groupes inspirés par King Crimson, Pink Floyd ou encore Genesis. On pense à Dream Theater, Animals as Leaders, The Dillinger Escape Plan. Là, les mesures sont tout à fait déstructurées, le parcours harmonique inattendu, et les recherches sonores extrêmement raffinées. Mais jusqu'à nos jours se développent d'innombrables sous-genres, de l'emocore au sludge, en passant par le stoner ou le doom. On peut citer par exemple les groupes de new metal Slipknot, Korn, Linkin Park ou System of a Down, et leurs violents emprunts au hip-hop, au funk et même à la polka. Il y a aussi le métal industriel de Rammstein, Marilyn Manson ou Rob Zombie et leur sonorité électronique, le métal symphonique de Nightwish, ou encore le power metal de Dragon Force, Sepultura ou Pantera, inspiré par le heavy metal aux sonorités épiques de King Diamond. Et la liste continue. Voilà, vous voyez que pour du bruit, il y a quand même une sacrée lignée. Oui, c'est vrai, mais ça m'enlève pas de la tête que ça sonne pas comme de la musique. Vous rigolez? Attendez, la plupart des musiciens de métal sont non seulement des virtuoses, mais aussi des athlètes. Vous imaginez ce que c'est que de faire un morceau de métal? Parlons même pas d'un concert. Oui, tout ça c'est bien gentil, mais quand même, ça sonne bizarre. Je sais pas comment vous dire, c'est pas chantant, vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est sûr, c'est pas Madonna, hein. Mais c'est pas spécialement le but que ce soit chantant. Comment ça? Pour un musicien de métal, l'idée c'est pas de faire danser ou de séduire. C'est un cri de colère, ça n'a pas à être agréable. Alors attendez, ça veut dire que c'est que de la provoque? Attention, faut pas croire que la violence du métal soit vide de sens. Vous prenez Peace Sells de Megadeth. Mais ça parle de l'hypocrisie politique de la guerre sous le régime puritain de l'administration Reagan. Bah oui, mais comme ça... Iron Maiden, The Trooper. Et ben, ça parle d'une bataille de la guerre de Crimée où des centaines de soldats britanniques ont perdu la vie face à l'immense armée russe. Tout ça à cause d'un ordre mal transmis. Oui, mais ça fait comment? We'll be right back.
de bataille. Ah bah j'avoue, entre les cris du refrain et la basse qui fait comme les pas d'un cheval. Ouais, vous avez entendu, ça s'appelle un galop. Ah ouais. Bah, je pensais pas que le métal pouvait sonner comme ça. Oh, et encore, là, c'est que la jeunesse du genre, mais déjà tous les éléments sont réunis. Oui, mais alors attendez, parce que moi je pensais que le métal c'était toujours de... Ah non, attendez, je vais vous expliquer. Il est certain que les chanteurs n'ont pas attendu le métal pour se mettre à crier. Il n'y a qu'à écouter James Brown, Janis Joplin, Jim Morrison, Screamin' Jay Hawkins ou même John Lennon, qui ont apporté ce timbre rappeux à une musique qui n'était pas encore extrême. En métal, on parle de voix saturée. Le terme est emprunté aux techniques d'amplification des guitares électriques qui, dès les années 40, expérimentent avec ce qu'on appelle overdrive, fuzz ou distortion. L'une des premières techniques de chant saturé était, de fait, un effet de traitement en post-production. En 1970, dans Iron Man, de Black Sabbath, la voix d'Ozzy Osbourne est trafiquée pour lui donner un son robotique. Mais on peut remonter à Boris the Spider. Ici, on assiste à une prémisse du growl, technique acoustique cette fois, qui a fleuri avec le death metal. Le chant de la première et de la deuxième période du heavy metal dans la Grande-Bretagne des années 70-80 s'inspire beaucoup des dernières audaces du hard rock, notamment Robert Plant. Ou encore Ian Gillan. Qui pousse les aigus dans leur retranchement. Rob Halford développera quant à lui une technique de yell scream suraigu. À la base de cette technique, la vibration des bandes ventriculaires, les fausses cordes. Il s'agit de ces chairs inertes au-dessus du larynx qui s'activent avec la bascule de l'épiglotte. C'est là la base du chant saturé. Le thrash metal, ainsi que certains groupes de power metal, emploient un yell scream à fleur de peau très versatile, qui évoque comme un hurlement incontrôlé, comme chez Pantera. Certains, comme Lordi, ont raffiné le chant saturé dans leur mélodie grâce à une technique proche du chant guttural tibétain. Mais il est aussi très répandu d'employer le fry, comme chez Megadeth. Avec le death metal, c'est l'avènement du growl, technique exploitant les harmoniques produites par les fausses cordes pour reconstituer un son saturé qui n'a plus vocation à produire une mélodie à proprement parler. Comme chez Arch Enemy. En black metal, la technique est la même, avec une plus grande ouverture de bouche et un placement plus aigu, comme chez Immortal, qui fait parfois usage du fry scream, qui est la version aiguë du fry. Mais tiens, tant qu'on y est, voyons un peu un exemple de growl.
y a de l'énergie, c'est fort, comment dire, c'est puissant. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si la musique était composée pour dégager autant de violence que le texte. Mais oui, mais exactement. Alors après, sur du death, on est sur quelque chose de plutôt désespéré. Hein. Ouais, mais c'est cohérent. Hein. La batterie qui matraque, les guitares saturées, la voix de monstre. On dirait un peu un vieux sorcier qui nous mettrait en garde comme un... Comme un messager. Ouais, voilà. Ouais, comme un barde, un ménestrel, un troubadour. Il y en a un qui arrive. Mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, j'ai entendu un bruit. On s'en fout de ça, y'a rien ici. Allez, ramène-toi. Allô? Vous êtes toujours là? Oui, excusez-moi, attendez. Je crois qu'ils sont partis. Ça va, Tony? Ouais, je crois, mais... Non, ça va pas. J'ai l'impression d'être dans Domination de Pantera. Ah oui? Bah, oui, voilà, parlez-moi de ça, tiens. Quoi? Non, mais je vois ce que vous essayez de faire, mais ça m'aide pas, là. Ok, bon... Qu'est-ce qui vous calme, d'habitude? Bah... À vrai dire, je me sens mieux quand j'écoute des comédies musicales. Bon, c'est vrai? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me parle, ça me calme, ça me plaît, quoi. Si je m'entendais, c'est qu'on est loin du métal, tout de suite. Je sais pas. À vrai dire... J'ai toujours adoré les comédies musicales. Mary Poppins, Cats, My Fair Lady. Mais j'ai jamais osé en parler à personne. Ah oui, mais pourquoi? De peur qu'ils se moquent. Une fois, je suis même allé à Paris voir Kiss Me Kate. Mais pas. Mais c'est The Cool Porter. Mais je l'ai dit à personne. Et puis je suis revenu comme si de rien n'était. Ah, mais bon, vous êtes un métalleux fan de comédies musicales. C'est vous croire. C'est comme je ne peux pas être tout le temps en colère, vous comprenez? Comment vous voulez dire? J'ai l'impression que le métal, ça me parle quand je suis en colère. Mais contre qui? Je sais pas, contre le monde, contre moi-même. Et là, pour être honnête, j'ai peur. Et vous pensez que la comédie musicale, ça vous aiderait? Ben oui, quelque chose qui vous dit comme ça. Walk on with all of your heart, and you never walk alone. You'll never walk alone. Vous savez, c'est dans Carousel. Ou bien un petit Stephen Sondheim ou un Andrew Lloyd Webber. Si vous savez, j'y connais rien, moi. Ah oui? Attendez, je vais vous raconter. Pour beaucoup, la première comédie musicale serait The Black Crook, qui est sortie en 1866, juste après la guerre de sécession. C'était alors une extravaganza, comme il s'en faisait beaucoup du côté de la 42e rue. Mais cette pièce inaugure la forme de base de ce type de spectacle, une narration scénique à base de numéros chantés et de danse. Ce modèle va mettre un moment à se répandre et entre-temps se développent les Follies de Ziegfeld, qui vont beaucoup inspirer l'esthétique de Broadway. C'est seulement entre la fin de la Grande Guerre et la Grande Crise de 1929 que sort Showboat de Kern et Hammerstein. Là, la comédie musicale prend son autonomie par rapport à l'opérette américaine et au cabaret. La grande nouveauté est que les numéros chantés ne sont plus une pause dans l'action, mais un véritable ressort narratif. Les années 30 donneront naissance à Anything Goes de Cole Porter, mais aussi à Porgy and Bess de George Gershwin. C'est aussi le temps des premiers grands films musicaux à succès, comme The Wizard of Oz de Victor Fleming, qui révélera Judy Garland. C'est le début d'une relation suivie entre Broadway et Hollywood. En pleine Deuxième Guerre mondiale est créé Oklahoma de Rodgers et Hammerstein, qui marque un nouveau modèle de spectacle où la danse participe également à raconter l'histoire. La pièce inspirera tout l'âge d'or de la comédie musicale avec Annie Get Your Gun de Irving Berlin et tous les Rodgers et Hammerstein, Carousel, South Pacific, The King and I. La fin des années 50, début des années 60, marque la fin de cet âge d'or, avec My Fair Lady de Lerner and Loewe qui révèle Julie Andrews, West Side Story de Leonard Bernstein, The Sound of Music encore de Rodgers et Hammerstein et des films musicaux en nombre, comme Singin' in the Rain, qui ne sera porté sur scène que dans les années 80, ou encore Mary Poppins, des Sherman Brothers, qui lui ne sera adapté qu'en 2004. Les années 60 et 70 seront plus irrévérencieuses, avec des histoires atypiques comme Company ou Sweeney Todd de Stephen Sondheim, Cabaret et Chicago de Kander and Ebb, qui montrent entre autres un intérêt particulier pour les intrigues situées dans le milieu du spectacle.
C'est aussi le temps des expérimentations stylistiques de Hair de McDermott, Starmania de Michel Berger ou l'album concept d'opéra rock Tommy des Who, en plein développement du West End de Londres. C'est là, dans le West End, que se révélera Andrew Lloyd Webber dans les années 80, avec Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Jesus Christ Superstar ou encore Cats et The Phantom of the Opera. C'est également l'heure de gloire du duo français Claude-Michel Schoenberg, Alain Boublil, auteur de Miss Saigon et surtout Les Misérables. Aux États-Unis, le régime baisse un peu, avec un Broadway quelque peu vampirisé par Hollywood, on pense notamment à Victor Victoria avec Julie Andrews, qui ne sera adapté sur scène avec le même casting que 13 ans plus tard. Depuis les années 90, les films ainsi adaptés en musical sont monnaie courante, avec quelques pépites. The Producers de Mel Brooks, Billy Elliot d'Elton John, Matilda de Tim Minchin, SpongeBob, l'adaptation du dessin animé, The Hunchback of Notre Dame du grand Alan Menken, The Lion King d'Elton John. Mais ce sont souvent les créations originales qui rencontrent le plus grand succès, comme Wicked de Stephen Schwartz, The Book of Mormon et Avenue Q de Robert Lopez, ou encore Hamilton, le spectacle hip-hop historique de Lin-Manuel Miranda. Peut-être que l'une d'elles aura autant d'importance que Oklahoma. They couldn't pick a better day to start in life. It ain't too early and it ain't too late. Starting as a farmer with a brand new wife. Soon be living in a brand new state. Brand new state. Gonna treat you great. For the cattle, spinach and tomatoes, flowers in the prairies where the June bugs zoom. Plenty of air and plenty of room. Plenty of room to swing a rope. Plenty of park and plenty of hope. Oh, love of every kind with bleeding down the rain. And the waving wheat can sure smell sweet when the wind comes right behind the rain. Oh, love of my every night, my honey lamb and I sit alone and talk and watch a hawk making lazy circles in the sky. We know we belong to the land, and the land we belong to is grand. And when we say, are you right with me? Yeah. Très contrasté. Alors ça doit être un peu comme le métal. J'imagine que vous chantez pas tout de la même manière. Ben,
puisque ça vous intéresse, écoutez. Nombreuses sont les techniques du théâtre musical. Certaines même définissent tout un genre. Par exemple, on parle de pièces legit dans la plupart des œuvres de Stephen Sondheim. La voix y est proche des sonorités opératiques avec couverture, vibrato et phrasé legato. If I should lose her, how shall I regain the heart she has won from me? Agony, beyond power of speech. Mais la vraie spécificité de la comédie musicale tient dans la technique du twang. Le timbre est canaille, sonore, mobilisant vivement les résonateurs nasaux. Rappelant le parler des quartiers populaires de Brooklyn au début du XXe siècle. You've got a face like Dracula, and I mean that in the nicest way. To say that there's no one like you would not even state the case. Dans les productions plus récentes, l'esthétique a évolué pour intégrer le belting. La base de cette technique consiste à produire des sons aigus en voix de poitrine, en privilégiant des notes droites et sans vibrato. Éviter ainsi la bascule vers la voix de tête nécessite un soutien solide et une large ouverture. D'ailleurs, le belting est emprunté, entre autres, au gospel et au R&B. Ces répertoires enrichissent encore les voix des musicales, avec des apports stylistiques comme le fry en attaque de syllabes, les attaques par en dessous, ou encore une articulation plus staccato. She led me to a bed, let her legs spread and say, stay, hey, hey. That's when I began to pray, Lord, show me how to say no to this, I don't know how to say no. Mais le doublage d'animation est lui aussi une importante source d'inspiration. C'est ainsi que naissent des personnages non seulement scéniques, mais vocaux. Long John Silver invented the Bloomin' Onion! But you think he gets credit for that? No! Captain Bubbum! No one knows his first name! And no Greenbeard's been driven! Mais tout cela ne serait rien sans une véritable interprétation d'acteur. La première qualité d'un comédien de théâtre musical est de donner vie à un personnage. Il s'agit donc d'investir émotionnellement le chant, avec tous les outils que nous venons de voir. Sorry girls, but he could be criminal. Some sort of psychopath who escaped from an institution somewhere where they don't have girls. He could have masterminded some way to find me. He could be colorblind. How untrustworthy is that? Donc, que ce soit les inflexions de voix, les respirations, les passages parlés, les variations de débit, de timbre, de position vocale, tout cela est au service du spectacle. Vous voyez, il y a toujours quelque chose d'éclatant dans les voix des musicales. Oui, alors qu'en métal, on cherche plutôt à s'ouvrir. Oui, mais finalement, toute la théâtralité de ces voix, ça ne sert qu'à vous atteindre au cœur. Oui, enfin, en métal, ça parle de choses concrètes, du monde réel, non? Là, tout ça, c'est du pipeau, c'est imaginaire, c'est comme une fable ou un conte. Pas tout à fait. C'est-à-dire? Mais une comédie musicale, c'est comme un monde miniature. Et les habitants de cette miniature réfléchissent sur le monde qui les entoure. Et ils réfléchissent à quoi? À l'amour, au conflit, au secret, ou, comme Willy Wonka, à l'art. There's no switch to stop and start the flow. A gardener as it seasons his green thumb and his heart. Don't ask the man, why does your garden grow? A poet sits for hours with words upon his tongue. He cannot help but rhyme his doom and gloom. So if you taste my flowers, to wish away.
what's strange to you is natural to me. It's simply second nature to paint outside the lines. It merely is the way that I was born. You see, I've been selected to create the unexpected and make each day feel just like Christmas morn. Took a torso and turned it on its head. It isn't right or wrong, it's what he felt. And Tali, even more so, were positively direct, explaining why his end of time should melt. And me, I take sweet honey and make a taste for rose. What can I say? It's simply what I do. J'ai l'impression que finalement, comédie musicale et métal, c'est pas si différent que ça, si. Ouais, mais allez-y, continuez. Vous savez, le côté théâtral, la cohérence entre le texte, le son, ouais. Le côté excessif. Excessif? Bah oui. Bah oui, attendez. Quelqu'un de raisonnable, il va pas se mettre à hurler des métaphores sur la guerre et les démons à toute allure. Ou bien s'émerveiller pendant 10 minutes devant le jour qui se lève. C'est vrai qu'on en fait parfois des caisses. Oui, mais c'est bien. Moi, j'imaginais pas, mais ça me parle, ça me remue, ça me donne du courage. Mais oui, mais moi, moi aussi. Je me sens un peu comme un adolescent qui... Ouais. Un adolescent un peu vulnérable, ouais, ouais. Qui est encore capable de s'émerveiller. Mais qui refuse de se conformer. Ouais. Vous savez, Michael, une fois que tout ça sera terminé, je me cacherai plus. Le métal, les musicales, ça fait partie de moi. Bien dit. Vous allez bientôt pouvoir le dire à tout le monde. On va vous sortir de là. Merci, Michael. Vous savez, vous m'avez fait réaliser quelque chose. Quoi donc? Long is the journey between these two fantasies. But in the end, they're just two ends of the same land. There lies the doubts and uncertainty.
death have found a shelter in their liberty. Je t'aurais prévenu.